Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment poster une vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, YouTube est relié à Google, donc c'est relativement, enfin en tout cas, c'est beaucoup plus simple de poster une vidéo, surtout si vous disposez déjà d'un compte Gmail. Donc aujourd'hui, beaucoup d'internautes disposent d'un compte Gmail, car quand on arrive sur la page Google, on peut y accéder très rapidement et très facilement, comme vous pouvez le voir ici. Donc imaginons que vous avez un compte Gmail, donc vous vous connectez comme ceci à votre compte Gmail, donc vous voyez ici si votre prénom s'affiche ou votre pseudo, c'est que vous êtes connecté. Et ensuite, il vous suffit d'aller sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas encore créé de compte, en tout cas si vous n'avez pas encore lié votre adresse email et un compte, vous devriez voir apparaître en haut à droite votre adresse email en fait, ou votre pseudo, je me rappelle plus, je crois que c'est votre adresse email. Donc normalement en haut vous êtes connecté, donc c'est-à-dire que vous êtes connecté à Gmail et vous êtes quand vous arrivez sur YouTube vous êtes également connecté mais par rapport à Gmail. Donc vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aimer ou ne pas aimer une vidéo, etc. etc. Mais si on veut maintenant poster des vidéos, il faut donc vous allez sur Upload ou je crois que c'est déposer une vidéo en français. Bien sûr, vous pouvez changer la langue du site comme ceci. On va le mettre en français. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne quand on veut déposer une vidéo. Donc, cliquez sur sélectionner des fichiers sur votre ordinateur. Donc, on va choisir celui-ci. Donc en haut, vous avez une barre de chargement qui correspond au téléchargement de votre vidéo. Ici, vous avez le titre par défaut, donc vous pouvez le modifier, bien entendu. Vous pouvez indiquer la description ou une description de votre vidéo. Ici, vous pouvez mettre les tags. Par exemple, voilà, WinRAR. Et il vous en propose directement. Vous choisissez une catégorie. Donc pour la confidentialité, vous laissez à public, donc tout le monde pourra voir votre vidéo. Et pour la licence, vous laissez licence YouTube standard. Voilà. Donc, une fois les différents champs remplis, il ne vous reste plus qu'à attendre. Donc il vous indiquera, il y aura un petit message en vous disant que la vidéo a bien été postée et que vous pouvez la voir à partir d'une certaine adresse. Donc il n'y a pas besoin de vérification de vidéo, vous pouvez tout de suite, une fois qu'elle est postée, vous pouvez tout de suite la voir. Donc voilà, en revanche, si vous voulez poster des vidéos plus longues, c'est-à-dire plus de 15 minutes, vous devez donc en faire la demande auprès de YouTube. Vous donnez votre numéro de téléphone, il vous envoie un code sur votre mobile et vous rentrez ce code. Et à partir de ce code, vous pourrez justement mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Voilà. Donc j'espère avoir été clair, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.